Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Arcotech, ici Nicolas et aujourd'hui un beau sujet que l'on m'a demandé qui évoque l'amour et le triomphe du néoclassicisme en Europe, c'est Psyché ranimée par le baiser de l'amour d'Antonio Canova. Le mythe, la sculpture, le sculpteur et son temps, c'est parti. Psyché ranimée par le baiser de l'amour est une sculpture du musée du Louvre qui mesure 1,55 m de haut, en marbre, commandée par le colonel John Campbell au sculpteur italien Antonio Canova en 1787 et livrée en 1793, qui a été achetée en 1801 par Joachim Murat, le roi de Naples du Premier Empire, beau-frère de Napoléon Ier. Alors, on rappelle la source du sujet tout de suite, puisque généralement, les grandes lignes ok, mais le pourquoi du comment et les détails, pas ok du tout. Le récit est initialement raconté par Apuleius au 1er siècle, qui lui-même rapporte le récit de Platon du 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, et c'est un récit que Canova connaît très bien. Il était une fois un roi et une reine en Grèce ancienne qui donnèrent naissance à une fille très belle, trop belle, plus belle que ses sœurs, et que le peuple disait même plus belle que la déesse de l'amour et de la beauté, Aphrodite, ce qui ne manquera pas de vexer cette dernière. Laquelle voudra même se venger et demandera à son fils Cupidon de faire que cette fille, nommée Psyché, soit mariée avec l'homme le plus abominable qui soit. Alors Cupidon se met en route, mais il tombe lui aussi amoureux de Psyché et n'obéira finalement pas à l'ordre de sa déesse de mère. Alors le roi et la reine s'inquiètent du fait que Psyché ne trouve pas de mari et ils feront ce que tout bon parent grec font dans ces cas-là, ils iront voir un devin. Ce devin leur prédira que s'ils gardent leur fille, il y aura de terribles catastrophes qui s'abattront sur eux et qu'ils doivent l'abandonner. Alors c'est parti, on abandonne Psyché au milieu de la mer. Heureusement, le dieu Zéphyr passe par là et emporte la jeune fille dans un palais. La nuit tombe et Psyché est visitée par quelqu'un. Elle ne le voit pas parce qu'il fait noir. Il commence à parler parce que le consentement c'est important, et l'inconnu fait promettre à Psyché de ne pas chercher à voir qui il est. Bon, elle se dit que c'est un peu louche, mais comme il y a un feeling, ça la dérange pas trop. Et puis, les nuits passent et arrive ce qui doit arriver. Bon, Psyché ne se pose plus du tout de questions. Elle revoit quand même ses sœurs de temps en temps qui lui disent qu'elle trouve cette histoire franchement bizarre et qu'il vaudrait mieux pour Psyché de savoir à qui elle a affaire. Du coup, une nuit, Psyché allume une lampe et regarde son amant endormi. Et, aux surprises, c'est Cupidon, le dieu de l'amour. Mais pendant que Psyché mate discrètement le dieu endormi, une goutte de cire tombe et réveille Cupidon, qui se sent trahi et qui s'en va. Alors pour la suite, je vous la fais courte, disons que Psyché va chercher à récupérer Cupidon, donc pour ça, elle toque à la porte de tous les temples, elle va voir tous les dieux, et tout le monde refuse de l'aider parce qu'ils ont trop peur de se mettre Aphrodite à dos. Et finalement, Psyché va voir Aphrodite elle-même, qui lui dit qu'elle a plus ou moins séquestré son propre fils, mais qu'elle acceptera de lui rendre si elle accomplit quelques épreuves. Donc Psyché se retrouve à faire des trucs complètement impossibles, des histoires de grains, de laine, de moutons, etc. Et le final, Aphrodite demande un fragment de la beauté de Perséphone, la reine des enfers. Donc Psyché ne se démonte pas, elle va en enfer, elle convainc Perséphone, qui lui donne une boîte avec pour condition de ne pas l'ouvrir. Bien sûr, Psyché n'y tient plus, elle ouvre la boîte, et elle tombe dans un profond sommeil à la Belle au bois dormant. Et là, qui arrive ? Cupidon, qui a réussi à se libérer et qui donne un petit coup de flèche à Psyché pour la réchauffer du sentiment de l'amour et qui l'embrasse pour la réveiller. Après quoi, il l'emmène là-haut sur l'Olympe. Zeus est impressionné par une histoire pareille, il accepte d'unir Psyché et Cupidon, de faire de Psyché une déesse, elle devient la déesse de l'âme et tout est bien qui finit bien. Et voici notre œuvre. Qu'est-ce que vous voyez du coup? Commencez par vous demander quel est le choix du moment représenté par l'artiste. C'est le moment de tension ultime dans l'histoire et tout l'intérêt va être de voir comment Canova accentue cet instant et comment il le met en scène. C'est le même principe aujourd'hui dans les films quand vous avez deux personnages qui s'embrassent et qu'on met un effet de ralentissement. Et là, on est à la fin du XVIIIe siècle, donc vous voyez que ce n'est pas récent. Alors Canova est italien, on sait qu'il a voyagé dans son pays, qu'il a regardé les peintures antiques et surtout celle d'Herculanum, l'une des villes ensevelies après l'éruption du Vésuve, ainsi que différentes sculptures anciennes sur le thème amour et psyché. Donc il a un vocabulaire d'images important, il a pu comparer différentes représentations sur le thème pour en créer une nouvelle, à la fois représentative du sujet, qui se reconnaît tout de suite, et à la fois moderne pour son époque, dans le goût de l'époque, et à la fois innovante parce que copier, c'est pauvre.
Et dans ce sens, une fois le choix du bon moment, il va ensuite travailler la composition. Quelle forme, quelle ligne crée l'émotion, l'ambiance de la sculpture. D'abord, cette composition pyramidale. La pyramide, c'est l'emphase, depuis les pieds des personnages jusqu'au visage, mais qui ne s'arrête pas là, puisque finalement la composition prend la forme d'un X et les ailes qui prolongent l'ensemble. Et au milieu de ce X, le geste circulaire des bras, qui crée en plus un effet de spirale ascensionnelle, c'est l'émotion qui s'emporte et qui s'élève. De plus, les corps déportés vers l'avant, vers le spectateur, font que l'œil de celui-ci est encore plus focalisé sur les visages, et donc vers ce presque baiser. Canova travaille également le traitement de la matière. On ne le répétera jamais assez, mais le marbre, ce n'est pas de la pâte à modeler. La partie qui forme le rocher conserve la trace des outils pour donner cet aspect rugueux. On voit encore les traces de gradine, l'un des instruments de la taille du marbre, donc qui est volontairement laissé. Les drapés sont traités de différentes façons, la différence de grain entre le tapis plus rugueux et la mousseline plus lisse est une preuve de la maîtrise du matériau par Canova. La peau est lissée à la perfection, les cheveux et les ailes de Cupidon conservent également des traces d'outils qui donnent une texture différente. Les ailes sont sculptées à part de ce bloc, de façon très fine. D'ailleurs, quand on se met à contre-jour, les ailes paraissent transparentes, donc il y a aussi une réflexion muséologique de la part du sculpteur. En plus, ce duvet à la base des ailes qui sert à dissimuler la méthode d'adjonction de celle-ci au corps. Et bien sûr, cette différence de texture entre les éléments, c'est ça qui rend la statue vivante, qui la rend réelle. Si tout était entièrement traité au ciseau, l'instrument qui permet de donner cet aspect lisse, cela aurait un autre impact, ce serait plus glacé, plus uniforme et donc moins vivant. Le détail, c'est ce qui fait tout, c'est l'approche de la perfection. Alors c'est une œuvre faite pour être vue de tous les côtés. Aujourd'hui, on tourne autour, mais à l'époque, on pouvait la faire tourner sur son socle. D'ailleurs, on conserve la trace de la poignée servant à faire tourner l'œuvre, ici, sur la droite. À l'arrière, on retrouve le vase de Perséphone, qui est un élément iconographique, avec le carquois, la tribu de Cupidon, et qui rappelle le mythe d'Apulée, bien sûr. Donc Canova n'évoque pas seulement les personnages pour faire référence au mythe. Également, ce drapé qui dépasse de son socle, c'est l'œuvre d'art qui déborde dans notre monde. Il faut passer derrière cette œuvre. Donc vous voyez, c'est une œuvre composée, réfléchie, et c'est un tour de force de composition qu'Antonio Canova propose. Ce qui crée l'admiration des contemporains, comme des spectateurs actuels, c'est cette vie, cet élan émotionnel que beaucoup de sculpteurs n'arrivent pas à trouver en toute une carrière. L'équilibre fragile entre simplicité et perfection de composition et de traitement, c'est pas donné à tout le monde. Canova réalise beaucoup d'exemplaires de cette sculpture, il y a notamment des copies de l'œuvre à Poitiers, à New York, à Saint-Pétersbourg, et elle sera également citée et réinterprétée par d'autres artistes, en sculpture ou en peinture par exemple, plus ou moins fidèle. C'est dire le grand intérêt qu'elle a provoqué. Alors, Antonio Canova naît à Possagno, dans la région de Venise en 1757, est mort à Venise en 1822. Ils seront à Rome, où il s'inspire de l'antique, bien sûr, mais aussi des modernes baroques, comme le Bernin. C'est un sculpteur avec une grande culture de l'image, qui propose des sculptures officielles, et également des sculptures plus intimes. Il est adoré par la famille impériale. Il reçoit notamment des commandes du monument funéraire du pape Clément XIV, et c'est toujours un événement important dans la vie d'un sculpteur de faire le tombeau d'un pape. Son atelier est toujours en effervescence, il a beaucoup de commandes à réaliser, donc plusieurs œuvres sont faites en même temps par des apprentis ou des employés, mais toujours sous son contrôle. Et il réalise toujours des études en taille réelle et ne passe pas par des petits modèles qui seront agrandis. C'est un gain de temps considérable à l'époque et ça montre aussi le degré de maîtrise qu'il faut à cet homme pour tout gérer en même temps. Canova se situe dans ce mouvement qu'on appelle le néoclassicisme, bien qu'il vaille mieux éviter ces raccourcis et ces étiquettes en isme. Mais c'est assez valable pour les grands artistes officiels comme lui. Déjà, la sculpture, c'est un art officiel, et c'est d'autant plus difficile pour un sculpteur d'être réputé, justement parce que c'est difficile d'innover, d'être libre de ses choix. Alors, certaines des œuvres de Canova sont d'ailleurs refusées, parce qu'elles ne correspondaient pas à l'idéal du commanditaire, car c'est bien là le problème, la sculpture, c'est surtout un art d'État, et surtout la sculpture néoclassique. Et pour cette sculpture néoclassique, eh bien, toute l'Europe se cale en quelque sorte sur Canova. On parle même d'école de Canova. Canova est à la sculpture, ce que Jacques-Louis David est à la peinture. Et Jacques-Louis David, c'est le néoclassicisme triomphant en peinture. Alors Canova... Et quelle est cette école? Eh bien, cela reprend des grands principes. Là où le classicisme antique insiste sur l'anatomie et la musculature, la réalité de la nature,
Le néoclassicisme cherche la bonne proportion, gracieusement idéalisée, et aime les thèmes antiques. Le néoclassicisme est triomphant à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Ce mouvement qui s'est amorcé avec ce qu'on appelle le grand tour des artistes et des nobles en Europe, en Italie et surtout en Grèce, amène de nouveau le goût gréco-romain dans la mode. Et à partir du moment où le culte de l'antique devient très important, notamment en politique, l'art qui reprend ses codes de l'antiquité, donc l'art classique, et après le classicisme du XVIIe siècle, le néoclassicisme du XVIIIe et du XIXe siècle, c'est évidemment cet art qui est le plus sollicité pour les commandes officielles. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les classes dominantes achètent du néoclassique et ses dérivés, et pas des avant-gardes. Cela va s'accentuer même après l'Empire. Cependant, la mode néoclassique, pas le style, mais l'effet de mode, elle, va décliner avec ce régime. Avec tout ça, vous comprenez que Psyché ranimé par le baiser de l'amour, oui, c'est une jolie statue, mais essayez de contextualiser et dites-vous que ça a la célébrité d'un film à la mode, mais à son époque. Tout le monde va la voir, le grand public aime, admire, est influencé, et c'est l'ambiance du temps. Le néoclassicisme 18e, 19e siècle, c'est l'ambiance de l'époque, les codes antiques, les thèmes antiques, la grande politique, le grand style pour la grande société, et ceux qui veulent s'en rapprocher. C'est ça, l'ambiance. Et les thèmes légers comme ça, comme Canova, c'est un plus, c'est autre chose, parce que ça parle à tout le monde. Ce n'est pas comme un thème héroïque qui affine son public. Là, l'amour, les dieux, tout le monde a le droit d'y rêver. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, abonnez-vous, partagez-moi, et je vous dis à très bientôt sur Arcotech.